Hop à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve sur Black Desert Online pour notre dernier livre de Bartali, donc c'est le numéro 15. Et sans plus attendre, nous allons commencer tout de suite les quêtes. Mais avant tout ça, je vous invite à mettre un petit pouce bleu et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. C'est le meilleur soutien que vous pouvez faire à la chaîne et ça vous coûte rien. Donc n'hésitez pas, ça peut aider. Allez, c'est parti. Donc, pour tuer le roi de la forêt et récupérer sa chair, c'est très simple. On se retrouve au nord de Valencia. Quand on va vers la mine de soufre ici, là vous avez des lions. Donc bien sûr, il vous faudra un couteau de boucher. Et on y va. On va essayer de trouver un lion plutôt. Hop. Et on le dépece, le lion. Voilà. Ah, il en faudra 10 du coup. Est-ce que ça marche sur les lionnes? Ou il faut obligatoirement que ça soit un lion? Non, ça marche aussi sur les lionnes. Donc, c'est aussi la reine de la forêt. Donc, du coup, on valide la quête. Et on, du coup, nous passons à la suite. On se retrouve pour la marque laissée par Igor Bartali au sommet du château de Valencia. Donc le château de Valencia, comme pour l'autre quête, c'est ici, château de Valencia. Valencia ici. Et là, on parle au mur en essayant de trouver la marque. Voilà. Et ça nous valide la quête. 2 PV de plus. Voilà, on se retrouve pour la suite. Donc on se retrouve pour examiner l'ancien artefact dans le sous-sol du château de Valencia. Donc c'est très simple, le château de Valencia. Vous avez Valencia ici, le château c'est ici. Donc vous rentrez par la porte et juste là vous avez une porte qui vous permettra de descendre. Et il faudra sauter dans le petit trou qui est au milieu et venir parler à l'objet. Voilà, on lui parle. C'est bon, on valide les 5 PV. Voilà, on se retrouve pour la suite. Donc, terminer l'histoire au sujet du garçon et du vieil homme. Donc, apparemment, c'est le vieil homme de la Palmeraie. Donc, ça se trouve à la ville d'Airaza. Ici, il faut trouver une quête. Alors, la seule quête que moi j'ai, c'est celui-là. Donc, on va essayer, on va voir ensemble si ça marche. Voilà, donc. Lire le livre placé quelque part en ville. Yes, ah bah, facile. Va trouver un bouquin. Parle à la chef, pourrais-tu... Voilà, on lui parle. Ok. Ah! Le livre est quelque part dans sa chambre à elle. Et yes. Alors sa chambre est à l'étage. Donc allons à l'étage. Voilà, du coup, on a trouvé le livre qui est dans la chambre de l'aubergiste. Paf. Et voilà. Donc, après, on valide à la petite dame. Voilà. Elle nous donne une suite de quêtes. Paf. Donc, parler à l'aventurier près de la jeune dame. Voilà. Donc, faut faire quoi? Augmenter les points d'amitié avec le chef du Toria et obtenir des informations. Ok, donc faut augmenter les connaissances. Ah
Alors par contre là faut pas susciter intérêt, donc on va mettre les meufs. Hein. Hop, rip, rip. C'est bon, on a réussi. 262. Nous avons réussi à atteindre les 250, donc nous pouvons prendre enfin la quête. Donc, on lui parle. Voilà. On prend le garçon de la palmeraie, hein, bien sûr, le 6. Écoute l'histoire de Larina le palefrenier. Donc on y va. Terminé. La suite, garçon de la palmeraie, 7. Alors, obtenir du bois de palmier pour Larina. Donc bah, il faut tout simplement avoir une hache. Voilà, on rend notre quête à Larina. On prend la suite. Et là, faut rencontrer l'homme qui habitait dans la palmeraie. Navigation. On est parti. Donc, rencontrer l'homme qui habitait dans la palmeraie, c'est tout simplement le cartographe Roahu. On lui parle. Hein. Et nous prenons la suite. Voilà. Découvrir si un homme appelé Galu Dorevin est à Eiraza. Navigation. On y retourne pour découvrir si un homme appelé Galu Dorevin. Eh ben, on vient parler à la chef. Hein. Voilà. C'est mon grand-père, elle nous dit. Donc, on prend la 10e quête. Voilà, rencontrer, raconter l'histoire. L'histoire a reçu. Donc on retourne voir le cartographe là-bas. Voilà, nous sommes de retour à Reu. On prend la quête numéro 11. Faut vérifier le journal. Voilà, 10 points d'énergie. Le 2, 10 points d'énergie. Et le 3, 10 points d'énergie. Voilà, et du coup, on valide au monsieur. Et on prend la quête numéro 12. Obtenir le dernier journal d'Aira et le coffre. Parler là d'abord, faut d'abord parler là et du coup on récupère le coffre, hein. On s'embête pas et du coup ça nous valide terminer l'histoire, plus de LT et du coup le petit esprit nous parle pour nous donner une décoration de pendentif d'Igor Bartali, montrer son objet au chef d'Igor Bartali pour commencer une quête spéciale. Voilà. Écoutez, voilà. Donc voilà, nous avons fini le livre 15. L'esprit occulte nous donne une quête où on doit aller voir Igor Bartali. Donc on va y aller. Et je ferai ça en off. Et on se retrouve très bientôt pour de nouvelles aventures. Amusez-vous bien. Bye bye à tous. Donc, pour valider la fin de la série de la quête de l'héritage de l'aventurier, nous avons la quête
que l'esprit occulte nous donne, qui nous disait de venir voir Igor Bartali. Donc c'est ce qu'on fait, on lui rend la quête. Il nous donne un petit objet qui permet de lancer une quête et 200 points de contribution. Donc c'est parti. Voilà. Il est où ? Montrer cet objet. Ok, on va le montrer. Ça doit être ça. Absorber l'esprit occulte d'Igor Bartali. L'apparence de votre esprit changera. On termine la quête. Voilà. Ah, le nouveau esprit. Oh, ben il est sympa. Il est sympa notre esprit occulte. Hein? Qu'est-ce que vous en pensez? Voilà. Eh ben écoutez, c'est magnifique.